Soyez le bienvenu à la nouvelle mosquée de Tulle. Marhaban bikoum, c'est le masjid al-jadid de Tulle. Merci. C'est une journée historique pour la communauté musulmane de Tulle, la concrétisation de près de 20 ans d'attente et 4 ans de démarche. Fini la salle de prière exiguë, place à un lieu de culte fonctionnel et flambant neuf. Une victoire pour les 200 fidèles de la ville, mais aussi pour l'ensemble de la société. C'est la preuve que la promesse de la République de permettre à tous ses enfants d'exercer leur culte dans des conditions dignes, que cette promesse soit tenue. Inauguration officielle et journée portes ouvertes pour couper court à d'éventuels préjugés. La tolérance et la découverte de l'autre comme leitmotiv. C'est important d'arriver à vivre ensemble et bon, moi je suis convaincue de toute façon et les cultures différentes m'intéressent, donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Volonté de l'association qui gère la mosquée, l'opération Transparence sera renouvelée au moins une fois par an. C'est important pour nous et important pour les autres aussi de découvrir et de ceux qui se posent des questions, ils n'hésitent pas à nous poser des questions, on répondra. Au rez-de-chaussée, des salles prévues pour des leçons d'arabe et des cours coraniques. Coût total du projet, 515 000 euros, entièrement financé par l'Union des mosquées de France, des fonds 100% privés. La ville de Tulle n'a pas financé cette mosquée. C'est très exactement, et je le dis aux contribuables tullistes, à certains qui seraient peut-être parfois un peu méfiants de ce point de vue-là, c'est 0 centime d'euro dans cet endroit. L'office religieux est assuré par un imam bénévole. La mosquée est ouverte tous les jours pour les 5 prières quotidiennes.